Salut tout le monde, ici Alex Tech & Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo du iPhone SE. L'iPhone SE sera le successeur du iPhone 5S. Avec les mêmes performances et les caractéristiques similaires au iPhone 6S, l'iPhone SE sera la même dimension, la même écran que l'iPhone 5S. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dépensé, investi, sur l'iPhone 5S pourra revenir sur le iPhone SE. Comme par exemple, l'étui à iPhone 5S sera compatible avec l'iPhone SE. Mais bien sûr, le plus important est les caractéristiques à l'intérieur du iPhone SE. À l'intérieur du iPhone SE, on y retrouve le processeur A9 du iPhone 6S avec son processeur graphique M9. L'iPhone SE disposera d'une batterie avec une autonomie de 13 heures. La connectivité cellulaire est la même que l'iPhone 6S. L'appareil disposera d'une connectivité LTE, d'une connexion Wi-Fi et d'une connexion Bluetooth 4.2. Avec le Touch ID de première génération du iPhone SE, l'appareil disposera du service Apple Pay. Maintenant, si on parle de la caméra. L'iPhone SE disposera de la caméra en enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde. La caméra du iPhone SE est accessible aussi sous le mode photo avec le Live Photo. Sous l'iPhone 6S, le Live Photo était disponible sous la fonction 3D Touch. Mais malheureusement, l'iPhone SE ne disposera pas de 3D Touch. Mais le Live Photo sera disponible dans l'iPhone SE. La dimension du iPhone SE sera de 4 pouces et aura une résolution de 1136 par 640 pixels. La capacité de stockage du iPhone SE sera disponible que pour 16 Go et 64 Go. L'iPhone SE sera disponible sous 4 couleurs: argent, or, gris cosmique et rosé. L'iPhone SE sera disponible en précommande à partir de $399 à partir du 24 mars 2016. Et la date de sortie officielle du iPhone SE est le 31 mars 2016. L'iPhone SE sera aussi disponible sous contrat à 0$. Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo. Je vous invite à laisser un pouce bleu et à partager ma vidéo. Laissez vos commentaires sous la vidéo. C'est Alex Tech & Gaming. Et on se revoit sous une autre vidéo. Merci.